En dehors du spectacle, on a des petits spectacles. On a essayé dans les différents coins du haras de proposer des animations, soit en extérieur, soit en intérieur, parce qu'évidemment l'hiver on préfère être un peu au chaud. Et donc selon l'âge des enfants, puisqu'on s'adresse plutôt à un public familial, il y a des contes, des ateliers, des jeux, et puis avec toujours la présence de l'animal qui est très forte sur le site du haras.